c'est toujours comme ça. À chaque instant, c'est la même chose. Tu peux m'écouter une seconde? C'est vrai, je te l'accorde, j'ai souvent quelques petits problèmes. Je suis un homme d'affaires, tu sais. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bon, maintenant, est-ce que tu manques de quelque chose? Non, merci, c'est pas une raison. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta chaleur. Je sais. Ça viendra avec le temps. Donne-moi. Donne. Bon, ça va, bébé. Ça va. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin. J'ai besoin que tu me donnes ma part de l'héritage. Ton héritage? Mais tu m'as jamais parlé jusqu'à maintenant. Je sais. Mais bon, là c'est important, tu vois. Il s'agit de moi, il s'agit de mon mec, il s'agit de ma vie. Et j'espère que tu es sûr de ton copain. Hein? Mm-hmm. Parce que tu connais le pays quand même. Mm-hmm. Hein? Ça va. T'as dit à la fin de ce mois, n'est-ce pas? Comme ça, on se fait signe après. Ah, 44-54. Comme ça, tu me bip. On va causer après, si déjà en retard. À la prochaine, ma fille. Ok, au revoir, mon beau. Donc, il y a des
Service. C'était joli là. Bon appétit, mon cœur. Merci. En fait, si... J'ai tenu franchement à ce que tu viennes ici, c'est parce que j'ai un très grand projet. Et c'est un projet qui nous concerne à deux. Ah bon? J'ai payé un terrain au directeur, je suis là, je me construis là-dessus. Et j'aimerais que cette maison nous appartienne. Le technicien m'a fait un budget de 190 millions, mais malheureusement, bon, pour le moment, je dispose de 40 millions. Donc le chantier est bien sûr avancé, mais il sera un peu buté au niveau des finances. Mais bon, j'ai quand même tenu à t'en parler. Je ne sais pas si tu as l'argent, mais bon, il faut quand même t'en parler. Tu vois, parce que ça peut faire en sorte que tu ne comprends pas exactement les projets que ton gars a avec toi, tu vois. Donc, toi et moi, je pense que si on réfléchit dans le même sens, ça veut dire que ce projet, il faut qu'on le partage. J'ai eu quand même 40 millions de rap. J'ai essayé déjà d'avancer. Mais le cœur m'a dit, ça ne vaut pas la peine que ta moitié tu ne présentes pas le projet. On ne sait jamais, peut-être tu peux aussi avoir un apport à apporter. Parce que quand ce que je fais t'appartient, comme ça m'appartient, toi, c'est pour nous. Donc je me suis dit, je t'en parle et puis bon. Je vais te présenter les photos. Je suis ravie que tu penses à entreprendre avec moi. Non, t'inquiète. Tu vois, ce sont des choses que quand je reste comme ça, je me dis, ma moitié doit être pour moi tout ce que je fais. Bon appétit. Merci. La sécurité, elle est fou n'importe quoi. C'est pas ce portefeuille que je vais sortir avec. Oh là. Non, elle, je lui fais comprendre. Donne-moi mon portefeuille là où il y a les souvenirs. Il n'y a pas de sous ici. Attends, tu n'as pas de sous. Tu as tout ça, tu n'as pas pris là. Oh, elle fout n'importe quoi. Quand lui dit quelque chose, elle ne respecte pas. Elle n'écoute pas. Pourquoi elle est comme ça? Ça va aller. Merci hein. J'aime le service ici. Je vais parler, je sais pas. Parce qu'en fait, elle peut me foutre la honte comme ça où je vais quelque part. Elle me dit que j'ai des soucis. Oh, elle fait pourquoi? Parce que là, je me rends compte que même mes pièces personnelles, je n'ai rien. Oh. Bon, je t'en finis et puis on va partir. Pourquoi?